Bonjour, je suis Anne Cataldo, fondatrice du restaurant Cook in the City. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une papillote de sardines, chèvre, curcuma et amandes. Pour réaliser une papillote, vous aurez donc besoin de 2 filets de sardines, de bûches de chèvre, de carottes, puisqu'on la fera reposer sur un lit de carottes. Vous aurez besoin d'amandes entières, de curcuma, et bien entendu de sel et poivre, ainsi que de coriandre. On va attaquer en fait la marinade. Donc la marinade, elle va être composée d'un mélange huile d'olive citron, verser ainsi, un petit peu de sel et de poivre. Vous allez ajouter une cuillère à café de curcuma, bien mélangé. Et ensuite, vous allez commencer le montage de la papillote directement sur le film. Donc, on attaque par un lit de carottes, donc des carottes râpées, toutes simples, non assaisonnées, qu'on positionne au centre. Ensuite, vous prenez vos 2 filets que vous posez côté peau sur les carottes, comme ceci. Ensuite, vous détaillez vos rondelles de chèvre en petits dés assez grossiers. De toute façon, le chèvre va fondre à la cuisson. Vous prenez ensuite votre marinade et vous allez la verser sur la composition. Enfin, n'oubliez pas les amandes, parsemées également sur la papillote. Et la touche finale, la coriandre, pour parfumer le plat et lui donner une coloration supplémentaire si besoin était. Ensuite, vous allez refermer votre film en veillant vraiment à ce que la papillote soit vraiment très hermétique. Vous refermez la papillote en veillant vraiment à ce que le film soit très hermétique. Vous tordez. Vous fermez. Vous serrez bien le lien. Voilà le résultat. Vous avez déjà une papillote qui, même crue, donne déjà envie d'être mangée. Je la pose sur la plancha, 230 degrés maximum, et pour une durée d'environ 5 minutes à surveiller, bien évidemment. C'est l'avantage de ce film transparent, c'est qu'on voit vraiment quand la papillote est cuite. À l'ouverture, une papillote pleine de soleil, riche en goût, accompagnée d'un petit riz basmati, vraiment quelque chose d'inédit, d'insolite, une très bonne idée de dîner.